team, j'espère que t'es en forme pour attaquer cet entraînement du 11 décembre. Comme je te l'ai dit il y a quelques jours, le Père Noël s'est mis au sport et il fait attention à ce qu'il mange. Et ça a beau être le Père Noël, il doute de terminer sa tournée dans 15 jours. Il va tout faire, il est super motivé, mais il veut prendre ses précautions. Il m'a demandé d'entraîner les gens au cas où il avait besoin d'un remplaçant. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo au cas où tu connais des gens qui pourraient remplacer le Père Noël. T'inquiète pas Père Nono, on croit en toi, on sait que tu seras prêt le 24 décembre. Et même si t'es pas prêt, la Matuit Team va pas te laisser tomber. On va s'entraîner pour être capable de t'aider si besoin. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Mon objectif aujourd'hui, c'est de faire de toi un vrai Père Noël. On est parti pour l'échauffement. Hop là. Viens t'asseoir confortablement dans cette magnifique chaise. Enfin celle-ci, la tienne. Ah ouais, j'ai oublié de le dire, va chercher une chaise. Ça, c'est ton traîneau, ok? Tu vas te mettre sur le bord de la chaise. Tu vas venir lever les pieds, poser les pieds. Lever les pieds, poser les pieds. Bras devant, ici, tu tiens les rênes. Pour aller vers le haut, tu lèves les pieds. Pour descendre vers le bas, il va falloir lever les fesses. On pose les fesses, on lève les pieds. On pose les pieds, on lève les fesses. Facile. Ok. Ça, c'est pour aller de haut en bas. On se lève, on tire le bras droit pour tourner à droite. On tire le bras gauche pour tourner à gauche. On vient s'asseoir, on lève les pieds pour monter. On lève pour descendre. Facile. Ok, viens derrière. Place les mains sur l'extérieur. Fléchis les jambes et remonte. Ici, on va soulever notre siège. On va imaginer que c'est une hotte. Oui, on n'a pas de hotte. Alors, on utilise notre chaise comme une hotte. Replace le sol et viens t'asseoir. Il va falloir aussi sauter du traîneau. Tu as récupéré ta hotte, tu vas sauter du traîneau. Donc, tu montes, tu sautes du traîneau à droite, tu reviens au centre et tu viens t'asseoir dans le traîneau. On va faire la même chose, tu montes ici, tu sautes à gauche, tu reviens au centre et tu reviens ensuite sur le siège de ton traîneau. Maintenant, ah ouais, on veut aussi passer dans la cheminée. Place les mains au-dessus et fais des petits mouvements comme ça. Voilà, parfait. On va commencer le premier mouvement, reviens ici. Ah, après, décolle les fesses, pose les fesses, lève. Et monte, pose, et monte, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, deux fois, ok, on revient, pose les fesses, monte, tire les coudes en arrière, avance les bras, tire les coudes en arrière, avance les bras, dernière fois, ok, tu l'as, on relâche, deuxième mouvement, tu le connais déjà, on récupère, derrière, on vient ramener les mains à hauteur des épaules. Regardez le dos en position à l'extérieur de notre chaise. Et on descend dos plat. Allez, le dos bien allongé, je pousse mes genoux vers l'extérieur. Pas besoin de descendre très très bas. Allez, on y va. On porte notre hotte avant de se jeter par-dessus bord. On pose. On vient s'asseoir. Bref. Monte. Saute à droite, saute au centre et viens t'asseoir. Monte, saute à gauche, saute au centre et viens t'asseoir. Allez, monte. On passe que la droite, on revient sur le centre. Allez, monte dans le traîneau, descend du traîneau, remonte dans le traîneau. Repose les fesses, monte. Et on relâche. Il y a une chose qu'on n'a pas vu, c'est déposer les canons. Au pied du sapin, on met au sol, on pose le cadeau au sol et on revient. On peut poser les genoux, revenir sur l'arrière et remonter. Alors on descend sur un squat, on descend, on pose les mains au sol, on avance, on peut poser les genoux, poser et ensuite on avance un autre tour. On revient sur l'arrière et on revient sur notre premier mouvement. Va-t'en, Jiggy. J'ai oublié. La descente dans la cheminée. La cheminée. Joins les deux mains en position haute. Et
On voit mes mains là? Ah. Et on descend, 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 descend. On se fait tout petit les genoux sur le centre. Pousse les mains hautes. On veut glisser dans la cheminée. On se fait tout petit, on se fait tout fin. Ok. Parfait. On retrouve le premier mouvement. Allez. Ici. Tire les coudes en arrière. Remonte. À droite. À gauche. À droite. À gauche. Dernière fois. Reviens ici. On s'assied. On monte. On s'assied. On monte. On fait monter très lourd. On fait descendre très lourd. Voilà. On relâche. On passe derrière le siège. On récupère notre hoc. On fléchit. On remonte. On fléchit. Et on pousse. Allez, on doit se créer des jambes solides pour pouvoir porter une hotte qui va. Et qui comporte quand même tous les cadeaux du monde, hein. c'est pas rien. Pousse les genoux larges, les talons restent dans le sol, on ouvre au maximum les genoux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les pieds qui nous obligent à pousser les genoux vers l'extérieur. On revient devant, on a porté la hotte, on saute du très loin. Saute du très loin. Reviens dans le traîneau, assieds-toi, monte, saute du très loin. Voilà, marque un petit saut. On décolle. Hop là. Hop là. Excellent. Ah, c'est pas mal tout ça. Je pense que on est presque devenu un vrai Père Noël. Ok, stop. Bon, cette fois-ci, on va pas l'oublier. On a sauté très loin. On descend en plus libre. Allez. Allez. Place les mains hautes. Et tu peux lever les genoux devant. Mains hautes. Genoux devant. Genoux devant, un peu plus haut. Allez, on veut tourner droit. On glisse dans la cheminée. Jusqu'à arriver dans les sangs. Tourne le cou. Bien appuyé. Allez, stop, on relâche. On dépose les cadeaux. On y va. On pose. Et on revient. Vous pouvez le faire en posant les genoux au sol. Ou alors, sans poser les genoux au sol. Ici, je descends, je glisse sous mon sapin, je descends sous mon pompe et je viens allonger le bras pour déposer. Mon cadeau. Ok, on relâche, on retrouve la conduite. Lève entier, assis, levez, tire les coudes en arrière, lève les pieds, engage les abdos. Allez, encore, encore, encore. Dernière fois, yes, on reste en haut, droite, gauche, tire le coude droit, tire le coude gauche, encore deux fois, dernière fois, et on relâche, pas derrière, squat, monte, squat, monte, oh oui, plus vite, cette fois-ci, on est capable de le faire ça, allez, plus rapide, au premier, au deuxième tour. Pas forcément plus profond, on a une chaise quand même, c'est pas évident de descendre plus bas. Ouh. Allez, on porte, on récupère notre hotte, on la met sur son dos et on va pouvoir sauter. Wow. On revient ici, on vient s'asseoir, on passe sur les cuisses, saute ici et on s'assied, monte. Saute à droite, au centre, oui, allez, très bien, la dernière, la chute libre, les bras, levez vers le haut, levez au max, allez, on veut pouvoir glisser dans la cheminée, on atterrit dans la cheminée, allez. Le fait de lever les bras, ça permet d'activer énormément les abdos. Sans les abdos. Allez, encore. Par, par, par. 3 secondes. On pose. On descend. Pose du cadeau. Pas du tout. À chaque fois, la transition avec le dos plat. Pour la pompe,
pousse bien. Les coudes vers l'extérieur. N'oublie pas, on peut poser les genoux avant de descendre sur la pompe, avant de s'écraser au sol. Allez, une petite derrière. On s'assied, on remonte, on s'assied, on remonte, on tire, on monte, on tire, on monte, on va vers le haut, on va vers le bas, on va vers le haut, on va vers le bas, droite, oh tu l'as pas vu venir, droite, et gauche, et droite, tire sur le rêne, gauche, on tourne à droite, on tourne à gauche, on relâche, récupère ta hoche, Papa Noël. C'est le dernier tour, n'oublie pas, seulement 4 tours pour cet entraînement court, mais toujours intense. Sinon ça sert à rien de faire tout doucement, pas longtemps, si c'est pour ne pas créer l'intensité. Genoux large, hanches loin derrière, poitrine haute, on tient ça jusqu'au bout. Les dernières répétitions, yes, on revient devant, on vient s'asseoir dans notre créneau, on est dedans. On est dehors, on est dedans, on est dedans, on est dedans, on est dehors, on est dedans, on reste dedans. Saute à droite, saute à gauche, assieds-toi. Oui, parfait, bon boulot. Allez, on va venir à gauche, pour le plaisir. Flèche. On est dans le vide. Va vers le haut, les abdos hyper forts, hyper clés. Mais le bassin reste neutre, on ne creuse pas le dos. Allez, lève les bras, lève les genoux, devant, active le cardio. Oui, 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 oui. Allez, je pense que Papa Noël qui nous regarde, mais fier de nous. Je pense qu'il est serein là, il est serein. On est dans la maison. Ouais, c'est pas évident d'être un Papa Noël. C'est pas évident, c'est du sport. Opération commando, opération livraison, express. Bon, c'est pas mal. On va revenir sur une course légère. Ouh. Allez, on respire un petit peu. On active toujours les mollets. On termine en beauté. On termine le jeu. Et ben voilà. Bon, on s'est fait un petit entraînement avec la chaise. On va récupérer notre chaise. On va en profiter ici pour s'étirer avec la chaise. C'est plus simple. Place la jambe devant. Et viens t'incliner devant. Si t'as mal au genou, fléchis la cheville. Si t'as encore mal au genou, et ben, tu peux aussi placer la jambe comme ça et tirer le genou vers toi. Choisis l'un ou l'autre. Voilà, on lâche. Même chose, soit ici, soit ici. Ouh, la petite inclinaison, ou alors je tire la jambe plutôt vers moi. On va rester en position assise, on va venir étirer les adducteurs. On a fait un bel entraînement, intense comme il faut. On va utiliser la chaise pour relâcher un petit peu les muscles. On va pousser les genoux larges. On reste en appui, on reste en position assise. On pousse les genoux au max. Enfin, pas au max non plus, parce que sinon on s'arrache les jambes. Mais jusqu'à ce que ça tire au niveau des adducteurs. Très bien. Ce sera difficile en position assise d'étirer les quadriceps. Donc, on va venir simplement s'aider si on a besoin de la chaise pour s'étirer. On va faire la même chose et ben de l'autre côté. Hop. Très bien, très très bien. Parfait ça. Oui. Voilà. On lâche un peu les cuisses. On a quand même utilisé le haut du corps. Donc écarte les bras et tire la poitrine. Croise les doigts et tire le dos. Pousse les mains vers le ciel. Et on relâche. Voilà, on enroule les épaules. Et bravo à toi. Matt Fit Team, bravo. Je suis fier de toi, tu peux être très...
très fier de toi. Père Nono, je pense que tu peux être serein. La Mad Fit Team est dans la place. Et regarde comme elle est classe. Je pense que tu peux être serein. C'est quand tu veux, Papa Nono. On est prêt au taquet. Allez, on se retrouve demain pour découvrir un nouvel entraînement de Noël. D'ici là, bonne récupération, bon chocolat. Restons connectés, motivés, toujours prêts à tout donner. Allez, salut !